Ouais, c'est le vrai, c'est le vrai. Tu veux faire quoi? On l'a vu venir, on l'a vu venir, les gars, vraiment, on l'a vu venir. Jean-Louis Gasset, Jean-Louis, va te faire foutre, Jean-Louis Gasset. Jean-Louis David, je vais te passer un shampoing, sale merde. Oh, Ismail Assar, il t'a fait. Il a pas trouvé de vanne. Pour une fois, il a pas trouvé de vanne, je suis mort. Putain de match, un putain de match aller, tu lui fais chauffer le banc, match retour. Arrête de faire ton Guardiola et casse-toi, espèce de granola, va. Espèce de merde. Wallah, tu connais rien au football. Toi-même, tu l'as dit, t'as jamais joué une demi-finale. Et c'était la première et la dernière que tu jouais. T'as pas fait la différence. On a été nuls en première mi-temps. T'as rien dit aux joueurs à la mi-temps. On a été encore plus nuls en deuxième mi-temps. Sale merde. Il y a eu aucune causerie, oh là. Une causerie, une connerie. Ça a été une vraie connerie. Même ça. Et il casse les couilles, vraiment, il casse les couilles. T'as entraîneur, on est mieux. Oula, Ismail Assar, j'aurais voulu te voir jouer. Mais à quoi il sert, les gars? À quoi il sert? Mais il est nul, Ismail Assar, il est nul. On s'est fait baiser avec lui. Ismail Assar, toi aussi, t'es une merde. Ismail Assar, nul. Ndiaye, nul. Kondogbia, nul. Ounahi, nul. Aminarit, Amin la bite. Espèce de sale bite. Tu sais que je t'aime bien, Aminarit, hein, mais va te faire foutre, je t'emmerde. Je t'emmerde, Harit, t'es une merde. À part faire des tweets, allez l'OM, tu fais rien du tout. Aminarit, Amin, arrête. Arrête le football. Même moi, je peux plus te défendre. Et prends Ounahi avec toi. Ounahi, cette putain de sauterelle. Oh là, c'est plus Ounahi, c'est Ounakui. Il est cuit. Il est nul. Il est inoffensif. Il est transparent. Il est faible. Il est maigre. Son jeu, il est encore plus maigre que lui. Nul. Oh là, Asdin Ounahi, Asdin Ounanui. C'est le jour et la nuit. Nul. Oh là, incroyable. Ounakui. Et en parlant de cuit, Aminarit, Amin Marmite. Oh là, je t'ai fait cuire dans la marmite, toi aussi. Et pour bien t'achever, qu'est-ce qu'il fait Jean-Louis Gasset? Il te fait rentrer Correa. Pourquoi tu fais rentrer Correa, ce corps de rat, cette tête de capoeira, ce fils de sperme? Oh. Mais qu'est-ce qu'il raconte, les gars? Vraiment, il y a quelqu'un qui a dit, il dit des insultes aléatoires. Il dit vraiment des insultes aléatoires, ça me fume. Et c'est un ouf ce type. Oh là, qu'est-ce que tu nous fais rentrer, Coira? T'as cru quoi en fait? Coira. Mais qu'est-ce que t'as cru? Qu'il allait nous faire une Madrid? Qu'il allait revenir? Eh vas-y, hein, Coréa. Oh là, on perdait 2-0. Coréa, il est rentré 3-0. C'est quoi ça? C'est quoi cette phrase de fou? Hey, il dit ça comme s'il y avait 0-0, il rentre 3-0, frérot. La phrase, elle a aucun sens. Quoi en fait? Mais qu'est-ce t'as cru? Qu'il allait nous faire une Madrid? Qu'il allait revenir? Eh vas-y, à Correa. Oh là, on perdait 2-0. Correa, il est rentré 3-0. 1 et 2 et 3-0. La phrase, elle a aucun sens, les gars. Eh, c'est un ouf, il me fume. Mais non, mais il est trop marrant. C'est trop. Oh là, ça, c'est trop ce mec. Oh là, le frère, c'est incroyable, les gars, comme on a été nuls. Comme ils ont été supérieurs. On dirait on a joué à 9 contre 11. Vous n'avez pas eu de couilles, vous n'étiez pas à la hauteur de l'événement, pas à la hauteur des supporters marseillais. Oh, peut-être qu'il y avait 700 supporters marseillais, mais c'était autant que les supporters de Bergame. Les gars, leur terrain, c'est un terrain de tennis. Oh là, les gars, une petite pelouse. Arrêtez, arrêtez, on a perdu contre une équipe. Leur marque, c'est Joma, les gars, Joma. C'est quoi cette marque? Et ma parole que ça pour l'anecdote. J'ai cherché à acheter un maillot de l'Atalanta Bergame au cas où on commentait le match ensemble, justement parce que ça pouvait être prévu, mais ça s'est pas fait. J'ai cherché à l'acheter, les gars, il était introuvable. J'ai tapé Joma, je trouvais rien. Oh les gars, j'avoue que c'est chaud. J'avoue que c'est chaud, j'ai galéré, frère, j'ai même pas trouvé. On marque pas contre une équipe où leur marque c'est Joma. Oh là, c'est un truc de malade, c'est un truc de dingue. Et Aubameyang, lui c'était plus Oba, c'est Obar. Oh là, il était Obar en train de... Au début de la vidéo, il l'a remercié. Magnifique, t'as été fort, meilleur buteur de la compétition. Et là, il l'insulte, il est tellement en roue libre, il insulte tout le monde, c'est fini. Un coup, il était là, je sais pas où il était, le Ying et le Yang, sale merde. Aubameyang, j'oublie pas ce que t'as.
t'a ramené pour l'OM cette saison, mais va te faire foutre. Mais il est aléatoire. Pourquoi il parle d'Obama, monsieur? Oula, t'étais où? Jean-Louis Gasset, pourquoi tu fais pas jouer Aubameyang? Il fallait le faire rentrer. Oula, j'ai l'impression que le match n'a pas eu lieu. J'ai l'impression que le match de l'OM, c'est dans 2-3 jours. Oula, c'était une rediffusion, les gars. Dites-moi que c'était la Young League. Dis-moi que c'était les gosses qui jouaient. C'était pas l'équipe première. Quand t'as des gros bâtards qui surjouent toute l'année sur Instagram, sur les réseaux. Ouais, les l'OM. Ouais, les supporters sont incroyables. Ouais, la ferveur au stade Vélodrome. Tenez, tenez ce doigt dans vos fesses pleines de bande de bâtards, va. Il voulait dire une dinguerie, elle est pas sortie. Il voulait dire une dinguerie, mais elle est pas sortie, c'est trop ce mec. Bande de gros bâtards. Un doigt d'honneur pour des joueurs qui ont pas d'honneur. Fuck you, fuck you. Eh attends, il reprend ma blague là, je reconnais. C'est ma blague ça les gars. C'est ma blague ça les gars, je l'avais fait en live. Tiens donc. Tiens donc. Il a donc repris ma blague. Il a... Oh le copieur, ouais, il a... Comment ça les gars, c'était en live? Attends, c'était sur quel match? Je sais plus, je crois que c'était en classico. Je crois que c'était en classico. Je crois que c'était en classico. Tu reprends toutes ces phrases. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Rien ne va. Attends, mais je sais plus, je lui avais dit quoi exactement? Porte plainte pour plagiat? Non, magnifique. Magnifique en détente. Ah, magnifique, on l'a inspiré, c'est beau, c'est beau. Allez, Fafan Coulo, va dans le coulo de merde, va. Fafan Coulé, on est en train de couler. Bande de lâches, bande de faibles, bande de traîtres, Illiman Njai. Oh là, c'est crampon, c'est des Timberland. Je peux pas s'arrêter. C'est crampon, frère, c'est des Freebox. Oh là, comment il a pu rater ça? Comment t'as pu rater ça, Illiman Njai? Toi, t'es sûr que tu seras jamais photographe? Tu sais pas cadrer, sale merde. Et Illiman Njai, c'est le premier à nous avoir baisé. Ouais, j'aime l'OM. Ouais, depuis que j'ai 5 ans, j'aime l'OM. Bande de fils de pyramide. Écoutez-moi bien. Maintenant, les joueurs de l'OM, si vous voulez, si vous aimez l'OM, votre amour pour l'OM, vous le montrez sur le terrain. Pas sur Instagram et pas sur Twitter, bande de grosses folles. C'est sur le terrain que vous devez vous le montrer. Parce que là, on n'a pas vu l'amour du maillot. On l'a pas vu, l'amour du maillot. L'amour du maillot, la douille du maillot, vous l'avez douillé le maillot, vous l'avez baisé, hein, Kondogbia, espèce de sale con, va, t'es un sale con, voilà Kondogbia, dire que je disais toi, ouais, Kondogbia, c'est comme Pogba, Mathias Pogba, pas pour... Il casse les couilles, mais c'est trop ce type. C'est trop. Ouais, bon, après, Kondogbia comme Pogba, vraiment, je sais pas, il a vu ça où, mais vraiment, lui, c'est trop. Mais le pire, c'est qu'il trouve ça normal. Il lance sa vidéo, c'est fini. Il enchaîne, mais c'est trop ce mec. Pogba, Mathias Pogba, t'es nul. Pas un contrôle, pas une frappe, pas une passe, pas un tac, pas un effort défensif, pas un effort offensif. Nul, Kondogbia. Nul. Zéro. Zéro racine carrée de zéro multiplié par zéro puissance zéro cosinus zéro. Dégueulasse. C'est plus Geoffrey, c'est trophée. Voilà, c'est plus Geoffrey Kondogbia. C'est trophée qu'on gagne pas. Voilà, comment tu veux gagner un trophée avec Geoffrey? Ah ça pour le coup t'en gagnes pas, ouais, je te confirme. C'est Geoffrey, il est effrayé son terrain. Le seul qui a porté ses couilles, Jordan Veretout. Jordan... Mais c'est trop, mais il veut pas lâcher Veretout, les gars. Ma parole, qu'il veut pas lâcher Veretout, c'est le seul dont il parlera jamais mal. Les gars, pour ceux qui suivent pas les lives qu'on peut faire à deux quand on est sur Wina ou quoi, les gars, sachez-le, Jordan Veretout. C'est le mec qui lui avait déjà envoyé un message à l'époque sur un débrief parce qu'il pensait qu'il avait insulté sa famille et tout, mais c'était pas vrai. Donc derrière Veretout, ils ont parlé et tout ça, il l'a invité chez lui et il est parti boire du champagne chez Veretout. Donc depuis, il ne parle plus mal de Veretout parce que Veretout l'a déjà invité chez lui pour boire une bouteille de champagne. Les gars, inquiétant. Inquiétant, inquiétant, il va toujours jamais être objectif avec lui. Oh là là, c'est grave les gars, mais quel vendu. Mais quel vendu.